Je l'ai toujours dit, moi les plateaux, la célébrité, ne m'importe pas. Je n'aurais jamais dû accepter d'y aller. Passe à autre chose. Je ne veux pas que vous quittiez Shayna du regard. Je me demande quel coup nous prépare José Antonio. Laisse, j'ai déjà vu le rapport. Tu te prends pour qui? C'est l'arroseur arrosé, point. Tu pensais vraiment que j'allais m'exposer devant tout le monde et jouer la méchante pour les beaux yeux de Shayna? Shayna n'en savait rien. Je n'en savais rien. Laisse tomber, cette discussion ne mène à rien. La situation est critique, l'absence de Shayna et Marina nous a coûté cher. Nous devons rebondir à tout prix. Il faut que l'on crée un scandale. Nous avons conscience des retombées sur nos deux empires. Nous devons trouver un terrain d'entente, Challenger et Cardenas unis. Oubliez Marina, je propose de miser sur notre basketteur, une star montante pour aider Shayna à remonter la pente sans compromettre notre image. Oh. Coucou Matt. Et salut. Alors comme ça tu as croisé Match Challenger? Tu as pu prendre la température? Écoute, il avait l'air de bonne humeur, un peu trop peut-être. Je vais mener ma petite enquête. Voyons voir ce qu'elle nous a déniché. Motivée, énergique, jusque-là tout va bien. Nous sommes partants pour votre figure montante. J'organise une rencontre avec l'agent de Shayna. Blablabla. 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 Quel ringard ce basketteur. Je préfère encore subir les critiques du public. Ils finiront bien par oublier cette affaire de tricherie. J'appelle mon agent. Je n'ai plus le choix, je dois rencontrer Eric Challenger. Son fils va nous mener à notre père. Installez-vous, Monsieur Challenger. Ok. Ce ne sera pas long. Alors dites-moi ce qui vous amène ici. C'est un malentendu, je suis venu voir Monsieur Eric Challenger. Comment osez-vous me suivre jusqu'ici? Non mais, ce n'est pas ce que vous croyez. Shayna, j'ai tout gâché. Je voulais trouver un compromis, Eric a annulé notre accord. Je te demande pardon. Une fois de plus, je ne fais qu'empirer les choses. Tant mieux. Je ne le sentais pas, ce basketteur soi-disant en vogue. Tant pis. Je vais me retirer de la scène médiatique et me concentrer sur le sport. Oui, j'ai triché et je le regrette. C'est fait, c'est fait. Cette fois, je gagnerai au mérite. Le public verra. J'ai enfin un scoop sur Shayna. Elle se retire de la scène médiatique. C'est génial pour nous, les photos valeront de l'or. Merci papa d'avoir annulé le contrat. Yeah. Wouhou!